Salut à tous, c'est Maconnor Minou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 18ème épisode du Let's Play sur Pokémon Cristal Bleu. Donc voilà, ça fait plusieurs jours, 2-3 jours que je n'ai pas tourné d'épisode. Donc je me souviens plus trop des détails où on en était. Donc on va se remettre un peu dans le bain. J'ai vu, je crois... Oui, c'est ça. On venait d'arriver dans cette ville. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est très énervant. J'ai 3 pêches d'arène. Message Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Grand Marais de Verchamp, porte de l'observatoire. Oui, quoi? Une petite bébête? Ça va être payant, ça, à tous les coups. Capitalisme. Papa. Allez, on va voir ce que c'est. Ah, c'est des Safari Balls! Putain, cool, j'adore les safaris. Amusez-vous bien, en avant pour une... En avant pour une équipée sauvage? Épopée sauvage. Alors, dans le marais, libre comme l'air, un tramway. Putain, et franchement, c'est classe. Grand Marais Parc 5. Alors, ça fonctionne en quoi? En nombre de pas, en temps? Anti-brume. Oh, c'est marrant, je me souvenais pas de cette CS. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Pokémon? Ah, le bon petit truc bizarre. J'avais le souvenir qu'il avait deux petites barres sur les oreilles là, sur ses antennes. Alors, vu que c'est une femelle, peut-être qu'il y a deux sprites différents. On va faire un petit tour là, juste voir les Pokémon qu'on a. Je sais pas si ça vaut le coup de... Ouais, allez, attends. Alors juste, est-ce qu'il nous dit... Je sais pas, on va dire que c'est une histoire de pas, comme dans les premiers. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais ok. On a dû tomber dans... le sable mouvant. Je sais pas comment ça... Oh, mais comment on sort de ça? Ouais, non, ça je peux pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va me prendre la tête en fait. Un costorno obèse. Non, je veux partir, je veux sortir de cette boue. Bon, j'ai trouvé une technique, je sais pas si c'est la vraie technique. Mais... Voilà, donc on est d'accord, c'est un mâle. C'est un mâle. Ok, il y a deux sprites. Eh ben, je savais pas. Voilà. Je pensais que c'était pour Pikachu. Enfin, je savais qu'il y avait quelques Pokémon, mais je ne pensais pas que... Quexoloto en avait. Bon. On va peut-être pas s'attarder ici parce que on a la ligue quand même à faire. J'aimerais bien la faire dans cet épisode. Enfin la ligue, n'importe quoi. La reine. Ouah, quoi quoi. Putain, j'adore quoi quoi. Allez, on va essayer de l'avoir quand même. Je le mettrai pas dans mon équipe, mais pourquoi pas. En fait. Allez, rentre, parce que tu vas fuir. C'est... Allez, one shot. Non, je peux donner de surnom parce que je vais pas le prendre dans l'équipe. Mais qu'est-ce que c'est que ces trous? Non, en vrai, c'est vachement chiant. Eh, s'il y a que des axolotos, moi je me casse, hein, ça vaut pas le coup de... Allez, fuite. Plou plou. Ah mais je suis con, c'est des marais, c'est normal. Dans ma tête c'était safari. Mais ouais, c'est des marais. Là je suis con. C'est quoi de la boue? Minette envoie de la boue. Ah super.
Je pense qu'ils se sont pris des des réflexions sur le fait de jeter des cailloux dans les premières gènes. En tout cas, c'est pas super original. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme gros Pokémon bourrin qui pourrait faire office de... Dans les premières générations, il y avait... Dans le Safari, on pouvait avoir des Kangourex, des Levena, Scarbrut, un Sécateur. C'était les Pokémon les plus chauds, avec Tauros. C'était pas facile à avoir. Du coup, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dans des marais? Pokéball. Allez, c'est de la dope ça. Puis moi, j'envoie une balle. Bon, c'est involontaire, hein. Je ne veux pas de cette chose. Ah bah merde. Et vu que j'ai vraiment la haine envers ce Pokémon, je vais aller le relâcher. Après, dans le PC. Peut-être. Castor. Voilà, c'est ma minute adulte. On va l'appeler caca parce que c'est un gros caca. Bon, de base, je suis très pipi caca. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore attaqué dans ce let's play, mais bon. On va commencer tout doux. Donc là, c'est bon. Là, qu'est-ce qu'on a? Putain, juste pour ça en fait. Le tram, il fait juste ça. Ok. Et Psychoquack. Allez, pour le Pokédex. Et parce qu'il me fait délirer. D'ailleurs, c'est pour ça que sur ma bannière YouTube, où j'ai mis tous les Pokémon que j'aimais, je l'ai mis assez en évidence. Je l'ai mis en gros. Enfin, assez, ouais, en évidence, du coup. À chaque fois que je le vois, il me fait délirer. Il a un regard de psychopathe. Oui, du coup, ça colle. Bon, du coup, je pense, là, j'essaye d'appuyer sur toutes les touches de direction jusqu'à ce que ça me fasse sortir. Je sais pas si ça joue. On va dire que oui. Alors, Axolotl, mais non, j'en veux pas, moi, des Axolotl. Bon, est-ce qu'on peut courir peut-être dans la boue? Ça empêche peut-être de faire tomber. Ouais, ça se trouve c'est ça en fait. Ah, je me souviens toujours dans l'anime, c'est le Pokémon qui est apparu dans l'anime. Bon après, moi j'étais pas sur internet. Enfin, maintenant avec internet on a les infos, il y a les fuites de magazines et trucs comme ça. Mais alors quand il s'est pointé, oh, je crois que c'était... Ouais, c'était le gars là, celui qui a remplacé Pierre, Jackie. Il s'est pointé avec un mari, on savait pas ce que c'était. Pareil, il y avait Togepi. Ils avaient pas encore annoncé. On savait qu'il allait avoir des nouveaux Pokémon. Mais la deuxième génération avait pas encore été annoncée. Du coup, on se retrouve avec deux bestioles, on savait pas ce que c'était. Surtout que maintenant, il y a eu plusieurs générations. Maintenant, on est plus surpris, il y a une nouvelle génération. Bah ok, il y a une nouvelle génération. Mais à l'époque, en fait, ça, c'était pas possible. On nous sort partout dans les dessins animés, il y a que 150. Oula, on en a découvert un 151e. C'était déjà énorme. Bah alors, quand ils ont dit qu'il y en aura des nouveaux, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Ball. Ça progresse. Bon là on avance, moi j'aimerais bien savoir. Bon, à savoir que ce que je pensais être cool,
sur les chaussures de sport. Bon, en fait, non. Ça marche pas du tout. C'est quoi ce bordel? Allez, j'ai des bugs de touche. Allez, pop pop pop. On a déjà été. J'aimerais savoir combien on a de pas parce que. Je me souviens pas qu'on me l'ait dit. Bon, ça me gonfle, on va sortir de là. On va aller voir un petit peu ailleurs dans la ville. Surtout que c'est pour tomber que sur des Pokémon de marais. Ce qui est logique dans un marais, certes, mais voilà, ça m'intéresse pas du tout. Franchement, je vois pas de Pokémon qui pourrait me tenter dans un marais. Pour aller dans mon équipe, donc. Allez, Taïo Taïo. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? C'est un observatoire, il y a peut-être des jumelles ou... Ah bah tiens. Putain, mais c'est des pompes à fric. C'est pas possible. Ah ouais. L'idée est pas con. Donc, dans chaque zone, on voit des Pokémon. Un marais, ok. Quoi que je l'ai eu. C'est tout. Génial. Franchement, s'il y a que ça comme Pokémon, je sais pas si ça vaut le coup. On regarde les autres. Allez, on regarde les autres. On me fait violer, mais on va regarder les autres. Marill, Azumil, encore Azumil. Ok. Bon, bah, y a pas de regret parce que. C'est vraiment des Pokémon de merde. Psycho-quack, Psycho-quack. Ok, allez. Bon, déjà, par chance, je ne suis pas tombé sur des Conotor. Ce qui me plaît parce que j'en peux vraiment plus. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Donc, qu'est-ce que c'est? Une maison. Avec un petit Pachirisu dans le coin. Bien le bonjour, laisse-moi examiner ton Pokémon pour voir s'il mérite un foulard. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse un foulard? Ce n'est pas ce que j'espérais. Je ne peux pas te mentir, je vais être direct, ce Pokémon n'est ni bon ni mauvais, simplement médiocre. Ok. Ah oui, je me souviens de cette phrase, il est tout simplement médiocre. Mais bon, je vais te péter la gueule, t'insultes pas mes Pokémon. Une petite amie de mon frère, la petite amie de mon frère est la masseuse de Volaroc. Ok. Celle qui trouve des coquillages dans le dos de mes Pokémon. Donc, toi, qu'est-ce que tu me dis? Certains restants empêchent du moins. Donc, on va aller voir l'arène. Je crois que je l'ai aperçu tout à l'heure. On va aller voir quand même là-dedans. On utilise la trame éclair pour se déplacer. Il est étudié pour ne pas perturber l'écosystème. Alors, ça y est, les écolos ont mis leur nez dans les jeux vidéo. Elle est grande en fait, je pensais qu'elle était toute petite, mais c'est une grande ville. Le dingue de capacité, je connais toutes les capacités que les Pokémon apprennent en gagnant des niveaux. Tu peux aussi les enseigner, je peux... Si tu veux, pour ça. Et Kyker, ouais. Je n'ai pas des Kyker. Je ne crois pas.
Oh, pardon, je baille. Je suis crevé. Alors, t'es son rouge, non. Regarde bien, c'est exactement le centre-ville. Ok, ça marche. J'étudie les Pokémon rares qui n'apparaissent qu'au Grand Marais. Les axolotos. Bah même à l'époque, je trouve hein, que là, pour le... quand ils ont sorti Diamant, je trouve que les graphismes étaient cool. Hein. J'aurais bien aimé. C'est con, franchement c'est con qu'à l'époque où ils ont sorti ça, j'avais un peu zappé Pokémon. J'aurais bien aimé découvrir tous ces jeux... comme j'ai pu découvrir XY et Ruby Saphir. On retombe dessus, tous les petits détails, on les trouve classe, on les trouve chouettes. Bah si j'avais découvert le jeu Diamant, bah, le premier truc que j'aurais dit en passant sur l'eau, c'est... Wow, c'est cool. Pouette, 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 pouette. Allez, tu vas être toute mouillée, on s'en va. Bon, alors l'arène, c'est parti. Ouais, je survole, je pense pas qu'il y ait des trucs trop importants dans... avec ces PNJ. Verchamp, Lovis le Teigneux, la vague des fermentes masquées. Ok, donc, type O. Type O glace. Le champion d'arène, et enfin, le Teigneux, c'est un maître des Pokémon de type O. Ça roule, il faut vraiment être téméraire. Bon, je pense qu'avec Nymphalie et Nala, on devrait pas trop mal s'en sortir. Bon, encore des histoires de planches, kiffe les planches là-dedans. Alors déjà on va pas laisser Merguez parce qu'elle va se faire éteindre. Ordre, ordre, ordre. On va mettre déjà Lily. J'ai aucune idée des niveaux, je pense qu'ils doivent être quand même assez soutenus. Bon, ça doit faire monter l'eau. Mes abdos ne sont pas la seule chose que j'ai... mission de développer. Je travaille aussi mon mental et mon Pokémon. Tu as raison, le mental, c'est la priorité. Ouais, enfin bon, genre il a 10 ans. En fait, tu penses à tes abdos à 10 ans. Même pas 10 ans, là, c'est quoi, il a 6 ans le machin. Bon. Un rat bizarre avec une bouée au cou. Enfin, moi j'ai un espèce de truc aussi avec une plante partout. Allez, on spam le balgrain. Mais si c'est efficace, allez. Donc là c'est bon, on va appuyer sur le petit bouton. D'accord, donc ça fait pas monter, ça fait descendre l'eau. Voilà, c'était pour être sûr. Jaune ça descend, vert ça monte. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a ? D'accord. De toute façon, je pense que je vais devoir passer devant tous les dresseurs. Barloche. C'est vraiment très bizarre comme Pokémon. Je dis pas qu'il est moche, je dis qu'il est bizarre.
Je me souviens l'autre avec son masque là. Enfin, je me souviens, il me dit quelque chose. Go Elise. Cette moite est rigolote quand même. J'aime bien. Je trouve que c'est plus. Je trouve que ouais, dans les Pokémon de cette génération, je trouve sympa. Ils ont fait du plutôt bon boulot dans cette génération. Oh là là, ce qui tombe chez moi, mais ça pleut, ça pleut. Ça fait des jours et des jours que ça pleut, c'est déprimant. Ah, elle cogne hein, la mouette. Un bon collectionneur de mouettes. Marin Damien. Damien. Putain, c'est l'inondation. On revient au début. Putain, mais ils embauchent que des gosses là-dedans. J'aurais aimé que ça lui fasse un peu plus mal. Il va me défoncer, je le sens. Charme. Oh. Je tiens pas beaucoup d'attaques et puis toi tu me baisses, super. Azuril et KO. Alors, un Maryl. Vas-y, arrose-moi. Arrose-moi, vas-y. Ah oui, mais moi je suis vive attaque, mais quel con. Mais quel gros con. Cette musique là de ce clignotement sonore me rend mais dingue à chaque fois. Ça fait mal au crâne quand même. À force. Thank you.
Toi, sirène. Ça fait longtemps que tu m'as pas fait un petit x5 là. T'abuses. Bon, le poids sirène, c'est bon. Il est mort. Bon allez, pour l'Eviator, je suis quand même envoyé Nala. Je crois pas que j'ai de rappel, je crois pas retrouver de rappel, j'en ai pas acheté. J'ai pas envie de me refarcir les boutons de montée d'eau. Donc voilà, je vais lui mettre des potions, une petite potion, à la fin du combat. Ouais, en vrai, Fatal Foot, c'est quand même la vie. Murgaz, il est au calme, il mate le combat et il progresse, ça c'est cool. Vitesse. J'ai hâte de le voir évoluer aussi, lui. Bah, il a pas marché. Je fais quoi? Ah merde, mais oui, putain, c'est con. Mon ala. Si ça c'est pas du fail ultime. Oh, j'ai peut-être un petit rappel quand même, on va voir, peut-être que j'ai pas fait gaffe. Vraiment, je pensais à en acheter. Donc, qu'est-ce qu'on a au sac? Ah si, j'ai un petit rappel. Allez. On va potionner tout ça. Allez, zou! C'est reparti pour un tour. On n'a pas rien faire. On va vider un peu d'eau. On peut pas aller là. C'est quoi ce délire? Comment je vais faire? Je peux aller nulle part! Je suis toujours mauvais moi, ce genre de jeu. Ok, il y en a là.
Là, il y a une planche là. De toute façon, c'est de... théoriquement, c'est dans l'ordre. On est d'accord. Donc si j'avance, ça devrait jouer. Un joli petit sans coquille. Un sans coquille punk. Élise. Marin Hakim. Oh, les antineurs. C'est une attaque classe, un Vibra, quoi. Quand ils l'ont sorti, j'étais vraiment, vraiment bien content. Bon, la nouvelle génération va sûrement y avoir quelques attaques en plus. Merguez, 163 points. Ouais, vas-y, rate toutes tes attaques, ça va être marrant. Bon, là je viens de voir l'heure, on est quand même déjà à 33 minutes passées. Donc ce qu'on va faire, ça m'embête vraiment parce que j'aimerais vraiment finir enfin je voulais finir l'arène dans cet épisode, mais ça va faire vraiment trop long. Surtout que je vais sûrement galérer encore avec mes boutons. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va se dire à la prochaine. Je vais rien faire en fait, je vais attaquer l'épisode tout de suite après. Dans le prochain épisode, on va torcher cette arène, c'est sûr, c'est obligé. Donc voilà, à la prochaine, bye bye.